attendent. Welcome to Death on the Road. Use the up and down arrow keys to choose an option from the menu and enter to select. Et salut tout le monde! Bienvenue sur les Let's Play dans le noir pour ceux qui découvrent la chaîne. Aujourd'hui, pour cette vidéo découverte, nous allons nous intéresser à Death on the Road, qui est un petit jeu développé par Auriol Gaming Zone, février 2015. Alors, honnêtement, je sais pas du tout dans quelle catégorie classer ce petit jeu. Alors, le principe, il est tout bête. Vous incarnez une personne aveugle qui traverse la route, qui doit traverser la route sans se faire écraser, successivement dans un sens puis dans l'autre. Alors, bien sûr, c'est pas juste ça, vous allez voir que ça va être un petit peu plus compliqué. Notamment pendant la partie, vous allez pouvoir ramasser des items qui vont apporter soit des bonus ou des malus, qui vont avoir des effets variés. Alors, on va tout de suite observer le menu, parce qu'on y découvre. Start game. Start game, bien entendu, pour démarrer le jeu. Donc, pas besoin de synthèse vocale, ou de le jeu est entièrement doublé. Enter Shop. Enter Shop, donc c'est un magasin où on peut acheter des bonus. Ça, on le verra après, on va d'abord faire une partie normale. Ce sera plus intéressant d'aller regarder ce qu'on y propose après. Learn game sound. Ça, c'est pour apprendre les différents sons du jeu. Choose par exemple. Sound and press enter to listen. Alors, je nous demande de choisir un son et de passer. Ah, quand on réussit à bien traverser la route, ça fait ça. Voilà. Bonus object appears. Ça, c'est quand il y a un bonus, un objet qui apparaît. Shield. Ça, c'est un bouclier. Drunken crawl. Ça, c'est un truc, c'est un item qui nous fait. En fait, on devient bourré, du coup, on marche moins vite. Extra points. Des extra points, parce que à chaque fois que vous traversez la route, vous avez des points qui s'ajoutent à votre score. Et à la fin, vous avez bien entendu la possibilité de valider votre score et de l'envoyer en ligne sur Auriol Gaming Zone. Fake bonus item. Alors, ça, c'est un fake bonus item. Bonus object disappears. Ça, c'est quand l'objet il disparaît. Alors, on va pas tous les écouter. Welcome to Death on the Road. On va. Use the start enter shop. Donc voilà, là le magasin on verra après. Game exit. Et sortir du jeu. Start game. Alors c'est parti, on va démarrer tout de suite un jeu. Une partie. Wow. Le premier round. Alors voilà, bien écouté. Hop. Et dans l'autre sens. Donc j'appuie sur flèche haut et flèche bas. Hein. Une voiture qui passe. Voilà, juste après son départ. C'est bien de calquer le moment où vous passez. Sachant qu'après il y a des véhicules qui vont aller beaucoup plus vite. Non. Hop. Un bonus. Voilà, c'est le bouclier, ça me donne l'immunité. Je peux traverser tranquillement sans risquer de me faire écraser. Pour avoir quelques petits points gratos, c'est pratique. Hop, c'est terminé. Attention. Laissez-moi passer. Voilà. Un bonus. Voilà. Les coins. Alors les road coins servent à acheter des objets dans le shop qu'on a vu dans le menu. Ah trop tard, il a disparu. Ah oui, ça c'est un speed up qui dure quelques secondes. Ah, des HP. Ah ça c'est un petit bonus de score quand j'ai traversé. Encore des HP. Hop. Attention. Oh, y'a un gars qui fait des incantations en même temps qu'il roule. La petite moto, hop, merci. Ah, alors ça c'est une time bomb, en fait ce que vous devez faire. Vous avez un temps record, un temps pour essayer de mettre, voilà, faut appuyer sur CTRL sur les différents chiffres pour les mettre dans l'ordre de droite à gauche. Vous appuyez sur CTRL pour les sélectionner un et sur un autre pour les interchanger de place. Et vous avez un temps limite pour le faire. Alors notamment dans le shop, vous avez la possibilité d'acheter du temps supplémentaire pour les bombes. Alors ça, c'est un gros bonus en termes de road coin. Encore le cinglé là, voilà. Voilà, merci. J'ai priorité s'il vous plaît monsieur. Voilà. Alors ça, c'est un speed up permanent. Ça peut se cumuler, ce qui fait qu'au bout de... Si vous arrivez à tenir assez longtemps dans la partie, il va y avoir un moment où vous allez aller très vite si vous cumulez ces items. Voilà. Hop. Merci.
Merci. Attention. Ah, ça c'est super. Ah, je suis bourré. Vous voulez pas me ramener? Bah va te faire foutre. Tiens. Yeah. Voilà, vous pouvez tirer sur les voitures et ça fait du score en plus. Sur contrôle, voilà, je presse contrôle. Yeah. Je l'ai eu. Ah, une time bomb. Merde. Hop. Ah, pas assez rapide. C'est assez chaud. C'est assez chaud au début. Hein. J'ai toujours mon flingue. Tiens. Yeah. J'arrive plus à vie. Yeah. Vous imaginez le taré avec sa canne blanche et un flingue qui tire sur toutes les voitures. Ah, un speed up. Permanent. Yeah. Raté. Ah, dommage, j'aurais vu. Ah, lui, c'est rigolo quand on le dégomme. C'est dommage que j'ai plus de balles. Allez. Ah, une bombe. Bon. Tant pis. You got 148 health. Oh, la voiture. Yes. Ça c'est du score. Ah, un ralentissement, je suis bourré. Ah, je suis écrasé. Donc essayez pas de traverser quand vous êtes bourré. Le personnage va vraiment trop lentement. Oui, t'arrêtes lui, il va trop vite. Mais oh. Ah yes, ça, c'est un petit bonus. La même voiture. Ouh, t'es dingue. Ah, speed up. Permanent. Ah, il faut que je réussisse à avoir un flingue pour le dégommer lui. Gonna give you up là. Hop. Alors un petit inconvénient à ce jeu quand même, un point négatif, c'est qu'une fois que vous le prenez bien en main et que vous commencez à accumuler du speed, ça devient un tout petit peu trop facile. Vous pouvez vraiment tenir très très longtemps sans perdre indéfiniment. Bien que pour terminer la partie, vous êtes obligé de vous laisser perdre, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon. C'est un petit jeu sympa qui vous fera passer un petit peu le temps avec des sons rigolos. Je veux un pistolet, s'il vous plaît. Ah ! Saleté de deux roues. Non, je rigole. J'ai rien contre les deux roues. Hein. Ah, ce que je n'ai pas dit, ce que vous allez voir dans cette vidéo ne représente pas du tout ma manière de me comporter dans la rue. J'ai des munitions. Bon. C'est pas vraiment ça que je voulais, mais c'est pas grave, ça fera toujours ça. Ah ouais, ça c'est là que c'est le truc, le speed up là. Ah. 4, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 6, 5, 6, 0. Yeah, j'ai réussi. Ça fait pas mal de score de réussir à désactiver la time bomb. Donc rappelez-vous, hein, contrôle pour interagir avec les chiffres. D'abord vous en sélectionnez un, puis celui avec lequel vous voulez l'interchanger et vous en faites contrôle. Le but étant de les mettre dans l'ordre de gauche à droite. Vous déplacez avec les flèches gauche et droite pour vous déplacer dans les chiffres. Hop.
Bon. Tu veux pas me remettre des petites balles de flingue là, s'il te plaît? On rigole. Oh, c'est chaud. Ceux qui se la pètent à écouter sa radio à fond, lui. Encore un deux roues. Vous voyez que la musique va de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on avance dans les levels. Hop. Encore le cinglé là qui marmonne je sais pas quoi tout seul. Des HP. Oups mince, j'ai pas pensé au copyright de YouTube, j'espère que ça va aller. Voilà, Lady Gaga. Oui. Allez, je vous montre une dernière fois les balles de pistolet. Ah, le speed up. Ah mince, je suis viandé à un moment donné. You got 156 health. Ah, je suis bourré. Eh, s'il vous plaît. Je rentre chez moi, s'il vous plaît. Bon, il est gentil, il m'a laissé passer. Ah yes! Hop là! Yeah! Youhou! Bon, je veux give you up là, faut qu'il passe! Ah, ou la police, ça va être marrant aussi. Allez, j'en veux une. Non. S'il vous plaît. Non, pas toi. Toi aussi, allez, je te laisse la vie. Allez, s'il vous plaît. Bon. Train. Je sais pas ce que le train vient foutre sur la route. Ah lui je trouve que c'est assez rigolo quand on le décomme lui aussi. Mais... Vous allez m'envoyer la voiture que je cherche. Je l'ai raté, tant pis. Toi, je veux pas te tuer. Oups. Ça fait mal. Bon, lui, il est très dur à voir.
va très vite. Bon, on va continuer à les éviter jusqu'à ce que j'ai celui que je cherche. Ça va bien finir par arriver. Mais non, c'est pas toi que je veux. Ah, je suis bourré. Ah, il est là. Voilà. Voilà le petit lol que je vais faire. Bon. Je pense qu'on a fait le tour de ce petit jeu. Ah, comme je vous l'ai dit. Voilà. C'est rigolo. On va finir notre revolver. Ah bah, il y en a plus. Voilà, c'est ça l'inconvénient que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quand vous le maîtrisez, quand vous l'avez bien en main, ça devient assez dur de perdre. Ah, mais on va le faire ça pour rigoler. Yeah! Youhou! Yahoo! Wouhou! Yeah! Yeah! C'est con comme truc. Bon allez. Voilà, écrase-moi. Oh, je vais me faire écraser. Ah, bon, j'ai plus de balles. Oups. You got 96 health. Allez, on y va, on va prendre les risques. Ah non, trop tard. You got 76 health. Y'a personne, j'essaye. Ah. 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 5, 5, 7. Yes, ça j'ai réussi. Allez, on va prendre quelques risques. Si on sait pas rigolo. Y'a personne, j'essaye. Ah, je suis bourré, on va pas y aller. Parti. Y'a personne, j'essaye. Ah non, fallait pas. Ah bah non. Enfin si. Attention, on essaye. Oh, c'est juste. Y'a personne. Ah, le deux roues. Regarde pas où il va. Ah, salaud. Attention. C'est bon, y'a personne. Ah si, y'avait quelqu'un. Bon, c'est bon, c'est passé. Y'a personne. Ah si, y'a quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. You got 24 health. Y'a personne. Ah si, y'a quelqu'un. You got 4 health. C'est bon, y'a personne. Attention. Ah, y'a personne. Ah. Managed a score of 40,607. Et voilà. Donc si vous avez envie d'un petit jeu qui passe le temps, comme ça, ça peut être rigolo. Alors, j'ai envoyé en ligne, voir ce que ça fait. Welcome to Death on the Road. Use the up and down arrow keys to choose start game, enter shop, learn game sound, exit, start game, etc.
visit Learn Games Enter Shop. On va juste aller voir le shop. Start Enter Shop. Welcome to the shop. Acheter. Use the up and down arrow. 1 second of bomb bonus time. 1,000 road coins. Et moi, alors pour voir combien vous avez de coins, c'est la touche M qui correspond à virgule hein, sur un clavier AZERTY. 258,000. J'en ai 258,000 par rapport aux parties que j'ai fait avant, ça va. One second of par contre, si je vais acheter ça. Three. Voilà, je peux acheter ça. 1 second of 4. 15 milliseconds, 1 second of bomb bonus time, 1,000 road coins. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 15 milliseconds of walking speed, 8,000 road coins. Voilà, c'est pour ajouter du temps supplémentaire à certains bonus. 15 milliseconds of walking speed, 10 maximum health, 3,000 road voilà. coins. Voilà, bon ça c'est pas la peine, on en trouvait suffisamment. 2% chance of lucky cross, 6,000 road coins. Alors voilà, les lucky cross, c'est des fois quand je traversais, vous entendiez un ding, hein, c'était un petit score supplémentaire. 2% chance, leave the shop. Voilà. 1 second of bomb, leave the shop. Leave the shop. Welcome to Death on the Road. Use the up and down. Et bah voilà, messieurs, dames, on a fait le tour de ce que peut montrer ce petit jeu. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait rigoler. Je vais, bien entendu, comme je sais pas si j'ai déjà dit, mais vous mettre le lien pour télécharger le jeu dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, en plus il est gratuit. Bon. Vu ce que c'est comme jeu, bon, ça aurait été un petit peu... étrange qu'il soit payant, mais bon. Ça peut être, voilà, un petit passe-temps assez sympa. Moi, je vais vous dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous appréciez ce genre de petit jeu. Et puis moi, je vais vous souhaiter bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Notamment pour la suite de Boku no Daibouken 3. Alors ce sera malheureusement pas demain parce que je vais pas avoir le temps. Mais normalement jeudi si tout va bien. Allez, salut !